Depuis mon plus jeune âge, j'ai vu mon père se vouer corps et âme à l'art du combat. Il me disait que j'aurais pu exceller en tout, devenir une grande diva ou un guide spirituel respecté. Car je vis pour ma passion. Plus qu'une technique, mon père m'a enseigné un code d'honneur. Il y a 30 ans, j'ai accepté de diriger l'ordre chinois des arts martiaux. Nous avons connu de longues années de gloire, mais je suis vieux désormais. Il est temps de faire place à un nouveau maître. Pour désigner mon successeur, nous devons nous réunir et choisir le meilleur. Excellente technique. Comment s'appelle-t-il ? Yip Man. Vos alliés du Nord sont opposés à ce tournoi. Réfléchis bien, car une fois ta décision prise, tu ne pourras plus revenir en arrière. Quoi qu'il en coûte, mieux vaut avancer que s'arrêter. Il est trop tard. L'héritage de notre lignée ne peut plus te revenir. Avant de mourir, ton père nous a dit : il faut renoncer à la vengeance. Le kung-fu, deux mots : horizontal, vertical. Celui qui le maîtrise restera seul debout. Tu ne crois pas ?